jeudi, la semaine à l'avance, hein? On est déjà jeudi. Les journées filent comme les étoiles filantes. Alors, la phrase d'aujourd'hui, c'est « J'aime chercher des mots dans le livre. » Tu sais, c'est important d'apprendre l'ordre alphabétique. C'est quoi l'ordre alphabétique? C'est quand je cherche A, B, C. Chante la chanson avec moi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Moi, je sais mon alphabet, je la sais tout au complet. Super! Donc, quand on cherche dans le dictionnaire ou quand on veut placer les ordres en alphabet, admettons que tu as plein de livres, bien, à la bibliothèque, ce qu'on fait, on les place en ordre alphabétique. On met A, B, C et ça nous aide à les retrouver. C'est une façon de classer les choses. Alors, premier mot, J, apostrophe, majuscule, parce que nous sommes en début de phrase. Deuxième mot, M. Aime, A-I-M-E. Deuxième mot, chercher, chercher, ch-r, c-h-e-r, cher. Deuxième syllabe, chez, c-h-e-r. Ah, oh ben tu vois, c'est la même chose qui vient deux fois. Regarde dans le mot chercher ici, OK? J'ai cher, C-H-E-R, chez, C-H-E-R. C'est pareil, ça se répète comme ça se coupe ici, là. Chercher. C'est bon? J'aime chercher des. Prochain mot, des. D-E-S. Oh oui! J'aime chercher des mots. Mots. Oh. Et dans mots, il y a un T muet à la fin. M-O-T. Mots. Mais est-ce qu'il y a un ou plusieurs mots qu'on cherche dans le dictionnaire ou dans le livre? Excuse-moi, dans les livres. J'aime chercher des mots. Des. Me dit qu'il y en a plusieurs des mots. Quand il y en a plusieurs, on met un S. Oui! Quand il y en a plein, on met un S. Mais un S à la fin du mot mot. J'aime chercher des mots dans. De, en, dans. Des A-N-S. Dans. Des A-N-S. Dans. Oublie pas de mettre ton index pour séparer tes mots. Les mots doivent être séparés de la grosseur d'un doigt. Les. L-E-S. Les. L-E-S. Les. Livre. Prochain mot. Livre. Livre. Deux syllabes. Li. L-I. Vre. V. E. Livre. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs livres? Mais il y en a plusieurs. Qu'est-ce qu'on fait quand il y en a plusieurs? Ben oui, on met un S. Mets un S à la fin du mot livre. Mets un point. Tu peux prendre le temps de me réécouter, hein? J'aime chercher des mots dans les livres. Tu peux réécouter tout ce que j'ai dit depuis le début et vérifier si tes mots sont bien écrits par toi-même, hein? Parce que si tu copies, t'apprendras rien. Je te le montre. Puis, est-ce que tu as réussi à écrire les choses? Pareil comme sur ma feuille? Si oui, tu as une récompense. Bye!